Revolution. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler sur iPhone d'un logiciel qui va vous permettre de faire de l'OCR. OCR égale reconnaissance optique de caractère et ceci gratuitement. On dit gratuitement, mais à l'intérieur de ce logiciel, vous aurez la possibilité d'acheter différents lots, par exemple, pour ajouter différentes options. Mais pour une utilisation, tout ce qu'il y a de plus classique pour faire de l'OCR classique, de la reconnaissance optique de caractère, on n'aura pas besoin de payer. On va pouvoir prendre des photos et se faire lire des courriers, des boîtes de conserve, enfin tout ce qui est dactylographié. Aujourd'hui, malheureusement, il n'existe aucun outil qui permet pour les déficients visuels de faire de la numérisation de texte écrit à main levée. Le manuscrit, pour l'instant, indisponible, en espérant que des développeurs puissent un jour réussir à développer cette technologie. On va tout de suite donc rentrer dans ce logiciel qui s'appelle Prismogo. Prismogo, et vous allez voir que le résultat est vraiment très correct pour une utilisation dans la vie quotidienne. Merci à vous de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, de liker et de partager comme d'habitude cette vidéo, et à tout de suite pour la suite du tuto. On va tout de suite rentrer dans l'application Prismogo. Prismogo. Touche. Prismogo. Description de la scène. Alors, attention, pour les gens qui arrivent sur cette vidéo et qui entendent l'iPhone parler, c'est que mes vidéos sont accessibles aux personnes déficientes visuelles. Aujourd'hui, toutes ces technologies sont accessibles. Il faut en profiter et le faire partager. Ça peut vraiment servir à énormément de monde et donner énormément d'aide dans la vie quotidienne. Pour la lecture de son courrier, on va expliquer la première fenêtre de Prismogo. La fenêtre de Prismogo, à quoi elle ressemble? Il y a bien sûr différents boutons. Ici, on va partir du haut de la fenêtre pour descendre tout en bas à droite. Le premier bouton, on va rencontrer réglage, bouton. Le bouton réglage. Comme son nom l'indique, on va pouvoir toucher à différents paramètres dans l'application. Et c'est à cet endroit là aussi que vous allez pouvoir faire l'achat de différents lots que vous propose Prismogo. On part sur la droite. Flash, désactivé, bouton. Une possibilité d'activer ou désactiver le flash suivant les endroits où vous vous trouvez. Si la luminosité dans la pièce n'est pas bonne, alors lancez le flash. On continue. Stabilisation, activé, bouton. Améliore la netteté en cas de mouvement de l'appareil photo. Je vous conseille de toujours l'activer car si l'iPhone n'est pas posé sur un support, on a toujours tendance un petit peu à trembler, ce qui n'est pas forcément bon lors de la reconnaissance optique de caractère. Vous allez avoir un meilleur résultat avec justement ce bouton activé. Français, OCR intégré, bouton. Afficher les options de l'OCR. On a vraiment beaucoup de langues, beaucoup de reconnaissance de langues. C'est ici aussi, comme je vous disais en tout début de vidéo, que vous allez pouvoir acheter des packs de langues. Prendre une photo, bouton. En tête, importer l'image, bouton. Une possibilité d'importation d'images, donc des photos que vous auriez prises au préalable, et vous allez pouvoir les numériser à partir de ce bouton. Description de la scène, bouton. Et une description de la scène qui va vous expliquer, avant de prendre la photo pour passer votre OCR, qui va vous expliquer comment se trouve votre document. On va tout de suite passer dans le mode réglage. C'est parti pour les réglages. On va donc tout de suite rentrer dans réglages, bouton. Réglages et voir ce que nous proposent les paramètres de l'application Prismogo. Réglages, en tête. On part tout de suite sur la droite. Ok. Acheter le pack d'export. Bouton. Accéder à toutes les fonctionnalités d'export du texte. Copier et coller. Partager et interagir avec le texte reconnu. On a une proposition d'un premier achat. L'explication de ce pack d'achat. Pack d'export, en tête. Le pack d'export permet de copier-coller le texte reconnu et de le partager. Il permet aussi d'interagir avec le texte, composer un numéro téléphonique reconnu, initier la navigation vers une adresse,
Écrire un email ou accéder à une URL. Comme vous avez pu entendre, le pack d'export est assez sympathique et il coûte... Acheter 5,49€. Bouton. 5,49€. Voilà, donc c'est une des possibilités, une des options d'achat à partir de Prismo Go. On en a une seconde, on va tout de suite y rentrer. OCR en ligne, 0 unité. Bouton. Possibilité d'acheter des unités d'OCR en ligne. Alors ceci sera pour vraiment un texte très complexe à passer sous reconnaissance optique de caractère et ce sera vraiment largement plus efficace. On va rentrer à l'intérieur. OCR en ligne, en tête. L'OCR en ligne, reconnaissance optique de caractère, fournit une précision accrue et propose des langues supplémentaires. L'OCR en ligne nécessite une connexion Internet et chaque requête ou service consomme une unité. Plus d'informations. Lien. Solde, 0 unité. Acheter, en tête. Pack de 10, essai gratuit, gratuit. Bouton. Alors, comme vous avez pu entendre, on a dans un premier temps, lorsqu'on teste l'application, un pack de 10 unités gratuit. Pack de 100, 1,09€. Estompé. Pack de 1000, économiser 50%, 5,49€. Estompé. Un pack de 100, un pack de 1000, donc c'est vous qui faites votre choix. Et lorsqu'on a fait 1000 unités, c'est quand même très conséquent, énorme, voire. Voilà donc les possibilités optionnelles de l'application Prismo Go. Langue préférée, français. Bouton. On a donc, vous irez voir dans l'application les différentes langues existantes. Il y en a vraiment beaucoup. Détecter les QR codes. Bouton. Activer. Une possibilité donc de détection de QR code. L'iPhone le fait déjà. J'avais donc fait une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Mais l'application Prismo Go a la possibilité de vous le faire et de vous envoyer sur la page adéquate. Enregistrer photo dans album. Bouton. Désactiver. Toutes les photos prises vont être ici, si vous activez ce bouton, enregistré dans votre album pour, comme je le disais tout à l'heure, par la suite, les repasser sous OCR. Mode économie d'énergie. Bouton. Désactivé. L'affichage du texte détecté, caméra, ainsi que certaines autres fonctionnalités sont désactivées pour conserver l'énergie. La précision de la reconnaissance de texte n'est pas affectée. Lecteur vocal. En tête. Lire le texte automatiquement. Bouton. Activé. Comme vous pouvez voir, l'accessibilité de l'application est là, puisque lors de la prise d'une photo, la lecture du texte se fera automatiquement. Vous allez voir tout à l'heure sur différents tests. Si vous allez télécharger cette application, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous pensez aussi des différents réglages possibles dans l'application de l'iPhone. On va tout de suite passer maintenant en temps réel à de la prise de photo et de l'OCR en temps réel. C'est parti donc pour les tests OCR. Voilà donc, on a lancé Prismo Go. Comme vous pouvez voir ici. Et on a un document ici sur un bouquin quelconque qui est Science et Avenir. Cette application, je la trouve très bien pour les professionnels, les étudiants qui voudraient faire de la sauvegarde ou de la numérisation à partir de leur smartphone. N'importe où, dans les bibliothèques, etc. Donc ici, on positionne l'iPhone au-dessus du texte. Description de la scène. Comme on disait tout à l'heure, on peut faire une description de la scène. Tout de suite, on va le faire. Détection du texte en cours. Tournée de 4 degrés à droite, 79 lignes de texte sont visibles. La proportion de texte est de 81%. L'angle avec la gravité est de 7 degrés. Prendre une photo. Bouton. Prendre une photo. En tête. Reconnaissance en cours. Fente. Pause. L2. Vaccin 1. Allumin. Au cœur d'Iadefia. Ce métal utilisé comme adjuvant serait toxique, selon certains chercheurs. Une thèse suivie de près par les autorités sanitaires, en attente de preuves. Décryptage de la controverse à charge utilisée dans les vaccins, et le voilà devenu le coupable idéal. Oasme sclérose en plaques, myofasciite macrophage. Moins d'une dizaine d'équipes dans le monde le soupçonnent d'être neurotoxique et de déclencher des réactions auto-immunes chez une petite partie de H population, peu génétiquement prédisposée. Une théorie défendue en France depuis la fin des années 1990 par... Comme vous avez pu entendre, le résultat est quand même très correct par rapport à un OCR qui est gratuit. Ici, on va passer ma fameuse notice de médicaments. Prendre une photo. Bouton. En tête. Prendre une photo.
Reconnaissance en cours. Pause. Bouton. J.I. Comprimé pellicule 6. Il. Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce LM4 ticament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Voilà donc pourquoi je voulais vous faire participer à cette vidéo, car l'application Prismo Go est quand même très efficace pour beaucoup de choses. Elle peut être utile au quotidien. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de connaître cette application, de la tester. Mettez-moi des petits commentaires si vous la testez pour savoir ce que vous en pensez. À liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous!